magasin. Il n'y a personne ici. On devait expulser tous les clients. En Chine aussi, c'est la crise. Enfin, il n'y a même pas un locataire dans cet immeuble. Pendant, c'est bien ici le palais du prince Souchon. C'est bien ici qu'habite Lisa. Ah, Lisa. Combien j'aimerais connaître ses impressions. Impressions sur Chine, naturellement. Ah, ma petite Lisa. Gustave, je te trouve en beauté aujourd'hui. Si j'étais une jeune fille, je tomberais amoureux de toi. Ah, je te tiens. Lâchez-moi. Je te tiens. Lâchez-moi. Non, mais qui es-tu? J'appartiens à la maison où vous êtes un étranger. Ce sont les appartements de son Altesse. Alors... Est-ce que c'est... Non, mais sais-tu à qui tu parles? Pour un, parler ainsi à un officier de marine grand-ducale de ce pays? Ah! Moi, j'appartiens à cette maison. Vous n'avez qu'à vous partir chez vous. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Lâchez-moi! 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 Il m'a lâché. Je suis le chef eunuque du palais. Quoi? Je suis le chef eunuque du palais. Qu'est-ce que tu dis? Il comprend rien, monsieur propre. Je suis le chef eunuque du palais. Il y a combien de temps que vous remplissez cet emploi? Oh, ça fait 30 ans. Oh, c'est cruel. Non, c'est héréditaire. Hein? J'appartiens à une famille d'eunuques. Mon grand-père était eunuque, oui. Mon père était eunuque, oui. Ma mère était... Non. La favorite du prince. C'était une grande musicienne. Et toi, qui es-tu alors? Une symphonie inachevée. Alors dis-moi... ce sont d'étranges conditions pour vivre en famille, mais enfin, tu n'y peux rien. Hein? Et toi non plus. Bon, dis-moi, tu es autorisé à aller et venir dans les appartements de... Oh oui, aller, venir, entrer, sortir, tout le bardin, quoi. Bon, eh bien, dis-moi, mon petit ami. Je ne suis pas ton petit ami. Bon, alors, dis-moi, mon gros ami. N'y aurait-il pas un moyen pour t'accompagner dans une de ces visites? Interdit, feu rouge, impossible. Oh, allons, allons, de nos jours, rien n'est impossible. Dis-moi... Je le dis. Dis-moi, que coûterait une de ces petites visites dans ces lieux interdits? Oh, pas grand-chose. Ben voilà, c'est dans mes prix. La vie. Mais là, c'est un peu trop cher pour moi, mon vieil Abélard. Hein? Je ne m'appelle pas Abélard. Ah oui, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Klingan Sunigangong Kinkriyan Malian Shenzhen. C'est pas fini. Dang Sunigang Ben Yiguang. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bruno! Quoi? Bruno? Ah ben ça alors! Voilà, jusqu'à présent, je n'ai pas servi à grand-chose à notre prince qui m'a engagé à la mort de mon père. Mais aujourd'hui, 4 nouvelles maîtresses vont être désignées par les mandarins. Quelles maîtresses? Celles que les mandarins citeront. Alors, je reprends mes fonctions. Mais quoi? Je reprends mes fonctions. Qu'est-ce que tu dis là? Ça s'arrange pas les oreilles, hein? Je refonctionne! Alors, comme ça, le prince va épouser 4 princesses? Oui, il faut tout prendre. C'est à l'eau. Eh bien, quel drôle de pays. J'arrive à temps, moi. Hein? Oh, monsieur le lieutenant. Titi. Encore? Mais enfin, je ne peux pas, moi j'en ai plus. Ah, pas trop. Pas trop. Ça fait.
tu? La casquette, la casquette, ah, tu! Mais qu'aperçoit ma regard charmé, ma charmante partenaire de ce matin au tennis? Je ne vous avais pas reconnu tout de suite, me pardonnerez-vous jamais? Ça n'a rien d'étonnant dans ce costume. Oh, mais pardon, si le costume de tennis vous embellissez cette robe chinoise. C'est mon oncle Chang qui n'est pas content du tout quand il me voit en cette tenue. Pour lui, une chinoise ne devrait jamais montrer ses jambes. Mais il ne faut pas écouter les vieux chinois. Chez nous aussi en Europe, nous avions des vieux chineurs qui se voilent la face en écartant les doigts dès qu'ils voient un mollet bien cambré. Mais quand on a les jambes aussi jolies que les vôtres, ce serait un crime de ne pas les montrer. Monsieur, vous me rendez confuse. Mais non, vous avez tort. Il ne faut pas vous regarder deux fois pour tomber amoureux de vous. Vous vous moquez de moi, mais je sais à quoi m'en tenir. Sur l'amour, un officier de marine français ne vous dira jamais en mode vrai. Bon, enfin, qui vous a dit cela? Quelqu'un qui s'y connaît très bien. Fleur de lotus. Ah, c'est la fleur de lotus que l'on consulte en Chine, comme chez nous, la marguerite. Elle-même, un peu, beaucoup, passionnément. Oh, comme c'est gentil! Mais comment les fleurs peuvent-elles savoir cela? Ça doit être un secret du paradis. Quand Dieu créa le monde, les hommes s'aimaient. Pour tous les oiseaux chantaient, les roses fleurissaient. La pérennité ici-bas, l'argent n'existant pas. Tout a changé dès l'Éden, l'homme fut chassé. Le bon temps n'est plus, le paradis a disparu. Mais qui vous charme pour toujours. Mon amour est un amour, se disent tour à tour. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, le reste n'est plus rien. L'anglais très froid en amour n'aime pas parler. L'allemand lui vient chanter pour mieux se déclarer. Le français vous fait la cour dans de galants discours. Ah, bien en laissant, on se doutait vos caressants. Mais pour nous comprendre, il nous a suffi dans les choses tendres, on se redit. Mon amour et ton amour sont nés le même jour. D'un regard très court, mais qui vous charme pour toujours.
Cher neveu, le moment est venu où je considère qu'il est de mon devoir de te parler sérieusement. Je vous écoute, mon oncle. La haute situation que tu occupes comporte également des obligations sacrées, non seulement vis-à-vis de notre pays, mais aussi vis-à-vis de notre race, qui remonte à 3000 ans et qui se veut perpétuer pendant 3000 ans encore. C'est pourquoi, en ma qualité de chef de famille, j'ai décidé de t'obliger à observer nos antiques usages. Tes quatre fiancés seront ici aujourd'hui même, dans quelques instants. Mais mon oncle vénéré, vous n'ignorez pas que je suis marié. Tu veux parler de l'européenne? Selon les lois de Confucius, celle-ci n'est que ton esclave, ou, si tu préfères, ta maîtresse. Je vous remercie du renseignement, mais je sais la conduite que je dois tenir. Le gouvernement qui a eu confiance en toi en subira certainement les conséquences. Les suites de ton acte pourraient être graves. S'il ne s'agit que d'une simple formalité pour satisfaire aux traditions de notre pays, je vais bien m'y soumettre, quand vous le désirez, et même aujourd'hui. Je n'attendais pas de toi une autre réponse. Alors, mon oncle vénéré, vous voilà satisfait. Mais tu dois savoir qu'à côté de tes quatre princesses, il n'y a pas de place pour une européenne. C'est la loi. Je connais cette loi, mais elle n'est plus de notre époque. Non, mon oncle vénéré, ma décision est irrévocable. Mon épouse européenne sera toujours ma seule bien-aimée. Tu veux briser nos traditions millénaires? Oui, je le veux. Ici, désormais, c'est moi qui ferai la loi. Je n'ai ni le droit, ni le pouvoir d'aller contre ta volonté. Mais prends garde! Prends garde d'irriter les dieux! Les dieux me seront favorables, mon oncle vénéré. Faux tout-puissant Dieu de justice, je t'implore, tu m'as donné un cœur afin que je puisse aimer, et ce cœur, je l'ai donné à mon seul amour! Cheveux merveilleux, ton regard plein de rêves et des...
sans soleil, même les fleurs. Ah, toi, ma poche d'amour, et pour toi seul, il fleurira toujours. Que j'adore, oh toi ma douceur, redis-le-moi, je t'ai donné ma Hélas, mademoiselle, il va falloir que je me fasse annoncer au prince Souchong. À mon frère? Comment, c'est votre frère? Je l'ignorais. Permettez-moi de déposer à vos pieds charmants tous mes hommages. Alors, comme ça, vous êtes la belle-sœur de Lisa. Vous connaissez ma belle-sœur? Ah, si, je la connais. Dites-moi, vous confiez parfois ce qu'elle pense? Eh bien, vous pourrez lui demander tout ça vous-même. La voici justement. Lisa! Oh, comme tu as bien fait le venir, que je suis heureuse de te voir. Moi, oh, mais qu'est-ce que tu fais en Chine? Et par quel hasard? Oh, mais ce n'est pas un hasard. J'ai appris qu'un croiseur anglais prenait à son bord des officiers de marine étrangers qui se rendaient sur les Gascons. Oui? Alors, avec l'appui de ton cher papa, je me suis fait embarquer sur le King's Bet. Me voici en Chine pour une mission diplomatique. Ah, ah oui, par contre, je ne sais plus laquelle. Oh, Gustave, tu seras toujours le même. Ah, ce n'est pas comme toi, Lisa. Oh, pardon, princesse, comme tu as changé. Tu es encore plus jolie que tu n'étais à Oldenburg. En veux-tu te faire? Incorrigible flatteur. J'ai dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. N'aggrave pas ton cas. Dis-moi plutôt, oui. Comment va papa? Oh, c'est toujours le plus fringant des papas. Bravo. Et ton Gertrude, et Laure, oh, et tous nos amis. Mais tous tes amis vont très bien. Mais te regrette, tu sais, Lisa. Moi aussi, j'ai un peu de regret. C'est gentil. Moi aussi, j'ai un peu de regret. La vieille Europe a du bon. Ah, je te crois. Et dis-moi, Lisa, as-tu trouvé ici le bonheur que tu espérais? J'aime mon mari, et mon mari m'aime. Ah, tu t'y entends bien éluder les questions embarrassantes. Quelle question? Eh bien, voyons, Lisa, tu peux bien me dire tout franchement. Tu sais, je sais ce que c'est que la polygamie. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est de bon ton pour un homme du rang de ton mari d'épouser plusieurs femmes. C'est la loi. Gustave, ce sont là des usages démodés. Mon mari a bien trop vécu en Europe pour s'y soumettre. Cependant, j'ai entendu dire que... Quoi? Ah non, parle maintenant. Tu en as trop dit pour ne pas aller jusqu'au bout. Eh bien, il paraît que ton mari va céder aux instances de son oncle. 4 princesses vont lui être présentées aujourd'hui même. Mais c'est impossible, je l'aurais su. Souchong me dit tout. La princesse Blanche a des visites. Oui, prince. Des visites qui me viennent de ma patrie. Le comte Gustave de Pottenstein, lieutenant de vaisseau. Enchanté. Le prince Chang, l'oncle de mon mari. Monsieur le comte, je vous souhaite la bienvenue dans notre pays. J'espère que vous avez apporté de bonnes nouvelles à la princesse. Oui, prince, je vous remercie. Le comte me faisait part d'un bruit étrange qui circule et selon lequel on contesterait en Chine la validité de mon mariage avec le prince Souchong. On prêterait même à mon mari l'intention de prendre 4 nouvelles femmes. C'est l'exacte vérité. Selon la loi de notre pays, le prince doit avoir plusieurs épouses de son rang. De son rang? Mais de quel rang croyez-vous donc que je sois? Excusez-moi, je ne suis pas au courant des coutumes européennes. Mais je ne suis pourtant pas sans savoir qu'en Europe, certains princes contractent aussi des unions morganatiques. Cette chose! Excusez-moi, j'ai certains préparatifs à surveiller.
osé me cacher cela. Mais c'est affreux. Gustave, si cela est vrai, je ne resterai pas une minute de plus dans cette demeure qui est la sienne. Si c'est vrai, je crois que tu ne puisses plus te faire d'illusions à ce sujet. Oh, tu crois? Et pourtant, il semblait tant m'aimer. Oui, il peut t'aimer, épouser 4 femmes, tu sais, en Chine, tout est permis. Je t'en prie, ne plaisante pas. J'ai beaucoup de peine. Je n'ai pas le cœur à rire non plus. Aussi, prenons les devants. Je cours à l'Égassillon pour préparer ton passeport. Merci, Gustave. Tu seras toujours mon ami. Tu le sais très bien, Lisa. On reste bons amis. Et tu sais aussi que je serai prêt à faire n'importe quoi pour toi. Ce choc. Mon mari. Mon prince que j'adorais. Que j'aime encore. J'ai quitté tout ce qui m'était cher. Lisa, pourquoi ces larmes? Tu le demandes, mais cette robe d'apparat, ce costume chinois, me dispense de te répondre. Mon costume? N'est-ce pas celui que l'on porte pour une cérémonie nuptiale? Ah, je vois, on t'a tout dit. Tu ne nies même pas. Mais Lisa... Alors c'est vrai. Tu m'infliges cet affront insensé d'épouser d'autres femmes. Mais Lisa... Oh, je t'en prie, ne cherchons pas à nous mentir à nous-mêmes. Regardons la situation en face. Souchouk, tu allais faire cela, tu ne m'avais rien dit. Tu commettais ton forfait en te cachant comme un malfaiteur. Mais je venais justement te prévenir, te dire toute la vérité, te prouver qu'il ne s'agit là que d'une simple formalité sans conséquence. Une formalité sans conséquence. Ah, c'est cela. Comme ton mariage avec moi. Combien de fois faudra-t-il te dire qu'il s'agit là que d'un simulacre? Quelle importance l'a-t-il? Pour toi, peut-être, mais pas pour moi. Et si tu ne renonces pas à cette cérémonie ridicule, je partirai. Choisis. Moi ou ces 4 femmes. Ici, il faut obéir. Soit. Alors je pars. Adieu. Je te le défends. Je suis ton maître. Tu prétends l'être. Du Seigneur, c'est le droit. Oh, maître, toi. Ici, tu es ma chose, et je veux te briser comme j'écrase cette rose. Tu me dois une aveugle obéissance. Confucius, la divinité, divine loi, la femme ici se plie à notre puissance. Selon le tarot, ta vie dépend de moi. Et tu me montres ton vrai visage. Ah, je te hais. Je vais tout quitter pour te suivre avec la
Prétexte, la princesse doit quitter le palais. Si vous la laissez sortir, il y va de votre vie.
C'est pas fini, hein, il y a encore un acte. Thank you.
prisonnière, le misérable. Il disait m'aimer. Quelle dérision. Mi. Oh, j'avais bien peur de ne pas te voir aujourd'hui. T'aurait-on interdit de me rendre visite? Aucune défense au monde n'aurait pu m'empêcher de venir. Renvoie les servantes. Laissez-nous. En prenant des précautions, j'ai pu avoir des nouvelles. L'oncle Chang est dans une colère folle depuis qu'on a essayé de t'enlever cette nuit. Ah, c'est pour cela que j'ai entendu du bruit dans le jardin. Oui, et ce sont tes amis d'Europe qui l'accusent. Ils en profitent pour exaspérer la jalousie du prince. Et il a obtenu qu'on te fasse quitter le palais cette nuit. Et où m'amènera-t-on? Et que fera-t-on de moi? Oh, l'oncle Chang possède là-bas dans les montagnes.